fait du bien un petit rayon de soleil, hein, contrairement à l'autre vidéo où j'ai tourné dans la nuit. Là, ça fait du... C'est bien. Ouais. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Commence pas, toi. J'ai pas le droit de parler toute seule. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, eh bien, je vais te montrer les créations que j'ai réalisées au mois d'octobre. Ça va, je me suis pas trompée. C'est bien le mois d'octobre. C'est bon, parce qu'on est en novembre. Donc du coup, je te montre les créations du mois précédent. Donc voilà. Comme d'habitude, tous les petits bijoux que je vais te présenter dans cette vidéo seront disponibles sur ma boutique. Le lien est en barre d'infos, ainsi que tous mes autres réseaux sociaux. Mais bien évidemment, je dis ça, je dis rien, hein. Je connais la chanson maintenant. Et comme d'habitude aussi, je me suis amusée à poncer tous ces petits bijoux à la main. J'aime bien le dire parce que je passe tellement de temps à poncer les bijoux à la main que je suis obligée de le dire. Pour moi, personnellement. Parce que toi, tu t'en fous. Mais moi, ça fait du bien de le dire. Parce que c'est chiant à faire. Bon, ce mois-ci, j'ai fait ma feignante. Parce que j'ai fait que 2 tutos. C'est pas beaucoup, hein. Bah, tant pis. C'est fait, c'est fait. Voilà. Donc du coup, je vais pas faire trop de blabla. Et je vais te montrer tout de suite les créations que j'ai réalisées au mois d'octobre. Voilà. Et on commence tout de suite avec une petite collection de bijoux. Sur l'astrologie. Je me suis amusée à réaliser les 12 signes astrologiques. Et de l'autre côté, en fait, c'est les... c'est le signe astrologique, mais version constellation. Et c'est phosphorescent, ça brille dans la nuit. Alors je sais pas si je vais réussir à prendre ça en vidéo, mais en tout cas j'essaierai de te mettre une petite photo pour te montrer que c'est phosphorescent. Et ils sont tous montés de la même façon, comme ça pas de jaloux. Alors j'espère que je me suis pas trompée, que j'ai pas dit de bêtises. Hein. Alors on a le bélier, le taureau, le gémeaux, cancer, le lion, la vierge, la balance, le scorpion, le sagittaire, le capricorne, le verseau, réalisé un petit bracelet. Ça fait pas longtemps que j'en ai fait un bracelet. Bon bref, là c'est avec des petits cubes. J'avais fait des colliers cubes et ben là j'ai fait le bracelet cube. Et en cadeau, eh bien, j'ai une petite paire de boucles d'oreilles assorties. Et avec les restes, eh bien, j'ai pu réaliser une petite bague. Alors c'est pareil, je sais pas du coup si je mets la bague en cadeau ou les boucles d'oreilles. Ou alors les deux. Je sais pas encore. Enfin bref, tout ça c'est un assortiment. Par contre, faut aimer les grosses bagues. Hein. Parce qu'elle est plus grosse que les miennes. Alors que moi, c'est déjà des trucs palaises. Hein. Ensuite, le collier suivant, je crois que c'était la semaine dernière, ou il y a 2 semaines que j'ai fait le tuto. Je perds la notion du temps là, je sais plus quand est-ce que c'était. Enfin, le dernier tuto que j'ai fait en tout cas, j'avais réalisé un effet patchwork mosaïque, mais en blanc. Et bah là, je l'ai fait, mais en noir. Voilà. Et avec les petites paires de boucles d'oreilles offertes en cadeau. Et vu qu'il me restait un petit peu encore de cet effet mosaïque patchwork là, eh bien j'ai réalisé aussi ce collier là. Et
boucle d'oreille offerte en cadeau. Ensuite, dans les tons rose gold, eh bien, j'ai ce petit collier là. Avec les boucles d'oreilles offertes en cadeau. Et avec les restes, eh bien, j'ai réalisé cet autre collier là. Avec une paire de boucles d'oreilles offertes en cadeau. Des mini boucles d'oreilles, hein. Ensuite, parce que je voulais un petit peu de verdure, et eh bien j'ai réalisé ce petit collier là. Petit, j'ai dit souvent petit, c'est bizarre, hein, petit. J'ai des tocs comme ça, et voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais je dis ça, je dis rien, c'est des tocs, hein. Le suivant, c'est un petit collier, encore, oui, un petit, triangulaire dans les tons bleu et violet avec les boucles d'oreilles offertes en cadeau. Et avec les restes du précédent collier, eh bien j'ai réalisé celui-ci, des jolies petites perles avec la technique du watercolor mosaïque. Et maintenant on passe au dernier bijou, et pas des moindres, c'est mes petites fées. Elles font le grand leur retour, mes petites fées. Et donc on commence avec le premier. Et il s'agit d'un... Enfin moi j'ai interprété ça comme ça, d'un cadre photo avec le portrait de Boucle d'Or. Bon, c'est pas forcément Boucle d'Or, mais vu qu'elle a des jolies petites boucles blondes, j'ai dit que c'était Boucle d'Or. Ouais, chacun voit ce qu'il veut. Moi, c'est mon imagination. Voilà. Ensuite, avec mes petites cannes fleurs que j'ai retrouvées, il me restait des petits bouts qui se baladaient tout seuls, et eh bien j'ai réalisé ce camé-là. Voilà. Et j'ai rajouté une petite fée à côté. La fée, j'aurais dû la rajouter après, parce que pour poncer le camé, j'ai carrément galéré. Il fallait que je fasse attention de ne pas faire du mal à ma petite fée. Alors c'était assez périlleux quand même. La prochaine fois que je fais une création comme ça, je mettrai la fée après. Là, voilà, c'était dur à poncer. Ma troisième petite
petite fée, elle est sur une grande et jolie belle plume. J'adore, la plume, elle est magnifique. Oh, je l'ai pas dit tout à l'heure, sur l'autre fée, c'est pareil, les ailes, elles sont en fimo liquide. Comme ça, c'est incassable, c'est génial. Je l'avais déjà dit, mais je le répète quand même. Les petits pendentifs mademoiselle, comme j'aime si bien le dire, ce ne sont que des simples pendentifs et c'est à toi de choisir le montage que tu souhaites. Sans aucun frais supplémentaire, bien évidemment. Et selon stock disponible aussi. Ça va de soi. La quatrième petite fée, elle se balade dans la forêt enchantée. C'est la gardienne de la forêt. Alors la prochaine fois que je ferai un petit paysage comme ça, je pense que je le ferai différemment parce que là on dirait plutôt de la mousse plutôt qu'une forêt. Mais bon, c'est quand même une forêt enchantée. C'est une forêt féerique avec la gardienne fée. Voilà, encore une fois, ça c'est mon imagination. Tu l'as déjà vu dans une précédente vidéo, c'était une création pour Halloween. Alors comme je l'ai dit, je ne sais pas du tout ce que j'ai voulu faire, j'ai laissé libre cours à mon imagination et c'est ça qui en est sorti. Alors je sais pas ce que vous... Bref, voilà. C'est une création pour Halloween, tout simplement. Bon, elle est arrivée un peu tardivement sur la boutique, mais bon c'est pas grave, on s'en fout. Et on arrive à la dernière création, et pas des moindres, c'est quelque chose que je voulais faire depuis une éternité, mais c'est tellement... Comment dire... Le personnage est tellement complexe que j'ai jamais osé enfin si je l'ai fait une fois. J'ai osé une fois sauter le pas. Bah c'était catastrophique. J'ai retrouvé ma vieille création, je vais te montrer la différence après. Mais ouais, j'ai fait une fois, c'était horrible, j'ai dit plus jamais. Et vu que je n'aime pas rester sur un échec, et bah 5 ans après, j'ai réessayé de refaire la même création. Et là honnêtement je suis pas peu fière de moi, je suis plutôt contente du résultat. C'était mal barré au début. Hein. Oulala, où est-ce que je vais? Ça ressemble à rien au début. Je vais continuer, on verra bien au résultat final. Et le résultat final, et bah, je suis plutôt contente de moi. J'ai essayé, parce que bah, c'est pas la réplique exacte. Bien évidemment, parce que je suis pas assez douée pour ça. Mais j'ai essayé de faire le chat dans Alice au Pays des Merveilles. Le Cheshire. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. J'espère que je dis pas de bêtises. Bref, c'est le chat de Alice. Dans le film de Tim Burton, hein, pas dans le dessin animé. J'ai passé je sais pas combien de temps dessus. Oh, c'était interminable. Un truc de dingue. Mais je suis contente du résultat au final. J'aurais préféré que le pelage bleu ressorte un peu plus. J'aurais dû mettre plus foncé. Mais dans l'ensemble, je suis quand même contente. Le seul petit inconvénient, c'est qu'il est hyper lourd comme pendentif. Comparé à tous les autres, celui-là, il passe son poil le pépère. Et je pense que les yeux, je les ai pas fait assez verts. Donc là, je te montre celui que j'ai réalisé 5 ans auparavant, pour que tu voyais la différence. J'ai quand même pas mal évolué, hein. J'ai pas lancé un petit bouquet de fleurs comme ça, mais... Ah oui, en 5 ans, j'ai quand même évolué, c'est pas mal. Un gros pif. C'est pas un nez de chat, c'est un nez de cochon. Je crois qu'en plus, mon petit chat, là, il y a 5 ans, il a perdu quelques dents entre-temps. Thank you.
je vois la différence, oui, là, je pense que je peux le dire, en toute modestie quand même, que je, oui, je suis assez fière de moi. J'aime pas trop dire ça parce que c'est pas dans mon habitude, j'aime pas me valoriser comme ça. Mais là, moi, je suis plutôt contente. Et donc voilà, j'ai fini avec le... J'ai fini de te montrer les créations que j'ai réalisées au mois d'octobre. Laisse-moi parler. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas, comme d'habitude, à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Si jamais tu as des idées de tutos, n'hésite pas à me le faire savoir parce que si je peux le faire, ce sera avec le plus grand des plaisirs. Et en attendant, eh bien moi, je t'ai fait tout plein de gros poutous. Et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye! T'as de beaux yeux, tu sais.